Bienvenue à tous, bonjour ou bonsoir, c'est Hercule, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed Black Flag. On va commencer tout de suite par aller chercher la nouvelle quête. Je vous souhaite une excellente aventure, on se retrouve pour la fin. Thank you.
regardez ça. Voilà le bâtard de ce vieux William Kidd. Encore qu'un gamin, mais... Déjà 10 fois plus redoutable que son père. Content de te voir ici, Kenway. Toujours tiré à 4 épingles? D'où vient cette tenue? Tu l'as volée à un dandy de la Havane? Non, mon ami. Je l'ai prise sur un cadavre. Celui d'un homme qui avait fait l'erreur de m'insulter avant de passer l'arme à gauche. Dis, j'entends dire que quelqu'un va mener une attaque contre une plantation. Tu ne cacherais pas des choses, toi? En grand succès. Tous les jours, des schooners débordant de sucre passent par ici en provenance des plantations voisines. La plupart s'arrêtent pour en vendre quelques caisses. Celui qui nous rend visite aujourd'hui te rapporterait un joli profit. Si t'as envie de piller sa plantation, je peux t'y mener. Je dis pas non. Cette plantation appartient bien à Beckford? Ouais, c'est ça. Il en possède des dizaines un peu partout dans ces îles. Cet homme est riche à en crever. Le genre que je prends plaisir à voler. Son agent est quelque part dans le secteur. Trouve-le, suis-le, et il te mènera à ta prise. C'est de la bonne canne et de la bonne mélasse. Je vous l'accorde. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Malgré l'indiscipline caractérisant votre entreprise, je crois que vous ne manquez pas de discernement. Hey, aren't you? No. She's gone for years. Can't even call day. It's not about. Beaufort, Manning, avec moi. Nous en avons fini ici. Aye, sir. Où va-t-on? Nous retournons à la plantation pour faire l'inventaire de nos stocks. La récolte a été bonne cette année. Ne parlez pas si fort, monsieur. N'oubliez pas que nous ne sommes pas dans un port civilisé. Ne sois pas ridicule, mon ami. Je viens croiser un étranger avec qui j'ai eu une conversation des plus agréables. Si vous le dites, monsieur. Donnez de la toile, les garçons. On rentre chez nous. Say hello to the Prince of Jack. I've got a shot. I've got a clear I've shot. A clear shot. Got him sighted. In me sight. De la toile, les garçons, on rentre chez nous. Ah.
capitaine. Tu m'as l'air d'avoir une idée derrière la tête. J'ai déjà vu ce regard. On peut rien te cacher, Adé. Je viens d'entendre un des hommes de Beckford parler de la grandeur de sa plantation et de toutes les marchandises qu'il y garde. Et ça m'a donné envie de m'en emparer. On les revendra à un prix qu'il ne fera jamais demander à ses clients. Ah, le visionnaire. Ton idée me plaît. Capitaine, sur tribord ! Ce butin nous tend les bras ! Gardés. Attendez, j'aime pas trop ce que je vois. Je les vois aussi. Marquez, vous autres ! À bâbord ! Il y a une belle cargaison ici, capitaine ! Un navire ennemi droit sur nous ! Un schooner ! Du Royal Navy, un navire isolé, capitaine. Je crois que c'est bon, capitaine. Gardez les cacatois et les huniers. On va tirer profit de ce vent, je vous le dis. Un navire de guerre approche, capitaine. Un cutter. Il porte les couleurs anglaises. Il a l'air d'être tout seul. Tom travaille pour les gars de Peter Beckford. Tu les connais ? Les Beckford et leur empire du sucre. Aïe. Les Beckford et les Drax. J'ai jamais travaillé pour eux, mais j'ai appris leur nom en entendant d'autres hommes les maudire. Et t'as travaillé dans une plantation ? Une petite plantation. Comme bouilleur à la chaufferie. La chaufferie ? On y fait bouillir de l'eau ? Ou autre chose ? Le jus de canne. C'est pas facile de faire du sucre. C'est dangereux. Ça doit être pour ça que c'est aussi cher. C'est comment ? De travailler jour et nuit dans une plantation. Eh bien, on coupe et on récolte les cannes. Puis on les fait passer entre deux rouleaux qui font sortir le jus de la plante. Une fois qu'on a récupéré le jus, on le fait bouillir dans une marmite en cuivre. Pour séparer l'eau du sucre. Et laisse-moi te dire une chose, mon frère. Je connais rien de plus chaud que le sucre bouillant. Ça te colle à la peau et ça te laisse une cicatrice affreuse. Bon Dieu. Merlez les perroquets, les cacatois! Alisez la grand voile! Carguez les perroquets! C'est risqué de mouiller trop près. Les soldats qui surveillent la plantation vont nous voir. Alors plonge et nage à terre. On veillera sur le jackdaw. Pipo, les gars! Merlez ses voiles! Rime ce désordre. Une petite fête, monsieur, rien de plus, c'est l'anniversaire de Wilmington. Et vous en profitez pour vous saouler durant le service ? Ne vous en faites pas, monsieur, tout est en bon ordre. Nous serons bientôt fixés sur ce point, n'est-ce pas ? Car vous allez doubler la garde dès ce soir. La doubler, monsieur ?
Mais pourquoi ? Je pense que j'ai été suivi, et par des pirates, si mes yeux ne me trompent pas. Même si ce navire semblait trop grand pour de tels gredins. Mais ce n'était pas des négriers, pas avec un navire de cette taille. Quoi qu'il en soit, doublez la garde. Et surtout, rapportez le moindre comportement suspect. Toi là-bas, réveille-toi! Souviens-toi que tu as un travail à faire! Mes excuses, monsieur, je vais ouvrir l'œil! Pour l'amour de Dieu, mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Comment es-tu censé donner l'alarme si t'es à peine capable de tenir debout? Pour vous saouler durant le service. Vous en profitez pour vous saouler durant le service. Ne vous en faites pas, monsieur. Tout est en bon ordre. Nous serons bientôt fixés sur ce point, n'est-ce pas? Car vous allez doubler la garde dès ce soir. La doubler, monsieur? Mais pourquoi? Je pense que j'ai été suivi, et par des pirates, si mes yeux ne me trompent pas. Même si ce navire semblait trop grand pour de tels gredins. Mais ce n'était pas des négriers, pas avec un navire de cette taille. Quoi qu'il en soit, doublez la garde. Et surtout, rapportez le moindre comportement suspect. Toi là-bas, réveille-toi! Souviens-toi que tu as un travail à faire! Mes excuses, monsieur, je vais ouvrir l'œil! Pour l'amour de Dieu, mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Comment es-tu censé donner l'alarme, si t'es à peine capable de tenir debout? Parlez à celui qui vous commande. Je demande à entrer dans l'entrepôt. Quel est le misérable parmi vous qui détient la clé de l'entrepôt, hein? N'y a-t-il pas une seule âme sobre par ici? Allez me chercher la clé de l'entrepôt. Faster, lady. You don't leave till it's done. La clé par tous les diables. Que quelqu'un m'apporte cette clé. Stop the bastard! Help! Stop you! You won't lose us that easily! Get back here, you deaf turd! I'll piss on it. Let's get back. King Phil should look to his men's provis. Tear your coffin! Shit! Alarm! Alarm! Please! I'm just a common decent cull! Yeah.
accusing that bastard! I'm begging you! Let me live! Get the shots were fired here! You'll go down like a sack of potatoes! Et puis voilà, petite mission accomplie avec succès, hein, parce que je pensais ne pas avoir réussi les deux objectifs optionnels. Donc ça fait très plaisir. J'espère que cette aventure vous aura plu. En tout cas, moi, je m'éclate comme un petit fou. On se retrouve pour un prochain épisode, dans pas longtemps. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt. C'était Hercule. Bye bye. Ciao ciao.